Chers pèlerins américains, je m'adresse à vous de Medjugorje, cet endroit que vous préférez, que vous visitez souvent dans un temps normal. Pourtant, nous vivons un temps difficile. Non seulement chez vous, aux États-Unis, non seulement dans le monde, à cause de la pandémie, mais aussi nous souffrons de cette situation ici à Medjugorje, qui se caractérise, cette situation, par le peu de pèlerins qui viennent du monde. Ils sont tous assignés à un régime sanitaire qui leur fixe manque de la mobilité dans le monde. Et donc, ici, comme vous le savez, nous vénérons la Sainte Vierge, Reine de la paix. Et cette paix, nous voulons proclamer aussi à tous et à toutes qui sont près d'ici et qui sont loin d'ici. Et le temps que nous vivons, nous pouvons comparer à un événement très grave qui est noté dans l'Évangile. Après la mort du Seigneur, le monde s'est immergé dans la ténèbre, ce qui est dit dans des évangélistes. Et alors, quand le Christ Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, qui nous a envoyé pour nous sauver, meurt dans le cœur humain, ce cœur est rempli de ténèbres. Et aussi, ce monde qui a causé la mort de Jésus-Christ dans leur vie, se plonge dans les ténèbres. Et nous devons vivre ce temps d'épreuve. Et nous devons aussi lire ce qui s'est fait comme un signe de temps. Le Dieu qui est maître de l'histoire, qui est maître de notre vie présente, il veut nous donner des signes à interpréter. Et c'est un signe qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Et donc, nous devons nous attacher à sa présence en nous et autour de nous pour dissiper des ténèbres, pour sortir vers la lumière. Lui nous apporte la lumière. Comme dit le cantique de Zacharie, il est « soleil qui vient d'en haut ». Et ce soleil, nous avons tant besoin aujourd'hui. Et donc, c'est mon message que je vous adresse pour que vous viviez aussi intelligemment, comme une intelligence de cœur, là, votre situation aux États-Unis. J'aimerais formuler une perspective. Si les États-Unis promettent et projettent leur vie vers le développement de la vie humaine, vers la protection de la vie humaine dans tout le stade de son existence, ils seront sauvés. Si la politique vous poussera vers la négation de la valeur de vie humaine, tout cela contribue à l'agrandissement de ces ténèbres qui nous font peur. Et alors, nous sommes maîtres de témoins, de proclamer dans le monde l'espoir et l'espoir qui vient de Dieu, l'espérance, parce que Dieu nous arrive du futur. Il nous attend dans le temps à venir. Il ne nous attend plus dans l'histoire. Et nous allons vers lui pour vivre ce qu'il nous a offert, à savoir la paix avec Dieu et la paix avec tous les hommes, à partir de ceux qui sont le plus proches de nous jusqu'à ceux qui sont loin de nous. Et donc, que ce temps où nous attendons le temps meilleur vous fortifie
dans la fidélité et dans le courage de traverser des moments difficiles de notre vie. Et que la Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix, vous bénisse et vous protège et vous aime sans limite. Que Dieu vous bénisse.